Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est pour nous. Juste nous, ceux qui parlons cette belle langue de Molière sur YouTube et qui voulons savoir ce qui se passe. Évitez l'endoctrinement, la manipulation. Allez droit au but. Bang! Chers amis, merci d'être là de plus en plus nombreux. C'est vraiment super apprécié. Le phénomène extraterrestre, d'OVNI, intéresse de plus en plus de gens, et avec raison. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous partager des infos, pour ceux qui sont intéressés par cette possibilité d'une vie extraterrestre. Pourquoi pas? Depuis toujours, l'être humain se questionne sur ses origines, n'est-ce pas? C'est normal. Sur son voyage, sur où on s'en va, d'où on vient. Sommes-nous seuls? C'est tout à fait légitime et c'est sain aussi de peut-être se questionner. Donc, il y a de plus en plus de preuves vidéo, photographiques, d'événements impliquant des ovnis. Je voudrais vous rappeler que cet acronyme signifie « objet volant non identifié ». Donc, on ne sait pas ce que c'est. C'est d'où l'origine de cet acronyme « ovni ». Qu'on associe automatiquement quand on parle d'OVNI à extraterrestre. Mais pas nécessairement, ça peut être des fois des phénomènes naturels, des phénomènes surnaturels, ou ça peut être aussi des entités militaires de d'autres pays qu'on se méprend à penser ou qu'on pense être des entités extraterrestres. Enfin, il y a plusieurs possibilités, c'est pour ça que ça s'appelle un OVNI. Bien, il y a eu un événement en Australie où pendant une tempête, il y a un service de police australien qui filmait, qui avait des caméras, qui ont des caméras en tout temps, et qui a capté quelque chose. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Vous irez voir ça, puis vous jugerez par vous-même de ce que c'est, ce qui a été filmé. Et il y a de plein sur le net, je vous en ai déjà partagé, hein, l'armée chilienne, à un certain moment, qui a déclassifié des documents sur lesquels elle enquêtait depuis des années, via sa marine, sur l'événement d'un objet qui les poursuivait. Et il n'y a encore personne qui a été capable d'expliquer ce que c'était. Donc, la police australienne publie une vidéo d'un ovni au passage d'une tempête. Donc, je vous rappelle, l'OVNI, objet volant non identifié. La police australienne est perplexe après avoir capturé des images étranges de ce qui semble être un objet volant non identifié. Comme je vous dis, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. La police australienne occidentale n'a pu s'empêcher de remarquer l'objet plutôt inhabituel lors de l'examen d'une vision d'une tempête qui a éclaté sur une plage de la ville de Broome samedi soir. Un conducteur est blâmé pour les étranges éclairs peut-être ou faisceaux de lumière qu'on voit dans la vidéo, des éclairs apparaissant dans le ciel avant qu'un objet mystérieux ne soit visible dans le coin gauche de l'écran. On peut voir l'OVNI planant quelques instants avant de disparaître de l'écran. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, c'est juste ici, là. C'est ça ici. Les images ont été partagées sur les médias sociaux et ont depuis été visionnées des milliers de fois. Certaines personnes ne sont pas tellement convaincues de l'OVNI, alors que d'autres jurent que cela confirme que les extraterrestres existent vraiment. On est toujours au même niveau, au même questionnement. C'est un putain d'alien, a écrit un utilisateur. C'est un artefact optique causé par la réflexion interne de la lumière à l'intérieur des éléments en verre de l'objectif, a écrit un autre. Un intellectuel, n'est-ce pas? Cela est causé par le renversement de la voiture dans le coin inférieur droit. Il reflète exactement ses mouvements. Les extraterrestres existent probablement, mais celui-là n'en est pas un. Vous remarquerez comment les intellectuels sont vraiment pédants et chiants. Mais n'empêche que c'est filmé, vous en pensez ce que vous voulez, je vous laisse le lien, c'est à vous de juger par vous-même, vous êtes des grandes personnes.